Salut les filles, j'espère que vous allez bien, hein? J'espère que les enfants vont bien aussi, j'espère que la petite famille va bien aussi. Et les gars, bonjour aussi à vous, à ceux-là, à ceux qui vont passer par la chaîne. Là, je vais vous faire le petit sujet, mais avant de vous faire le petit sujet, merci à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne. Merci, franchement, merci de me faire confiance. Merci beaucoup et de votre soutien aussi à tous ceux aussi aux alentours. Là, je vais vous faire une vidéo sur. Je vous en avais parlé sur une vidéo, je pense, plusieurs vidéos. Ouais, je vous avais fait une vidéo sur les gens qui réclamaient des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Et là, je vous avais dit dans une vidéo que il y avait beaucoup de gros TikTokers qu'avec des millions d'abonnés s'amuser à faire les jeux concours, les challenges et tout ça. Ils disent oui, mais c'est les règles de TikTok pour savoir si on est aimé, pour nous donner de la visibilité, anini. Ils gagnent déjà de l'argent, vous allez voir. J'ai pris place pas mal de pardon, pas mal de TikTokers lambda aussi hein, mais bon qui gagnent aussi de l'argent grâce à leur contenu sur TikTok. Donc et il comprend pas, lui aussi, pareil, il a été faire un tour par là, voir s'il y avait des petits. Là, des fois, on fait des tours pour voir ce qui se passe, ce qui se dit. Souvent pour aller voir les embrouilles ou quoi que ce soit aussi. Et lui, pas bah, pareil, il est tombé sur toute la journée, tout le soir, jusqu'à au moins 4h, 5h du matin, tu vois que ça, que ça, que ça, que des matchs, que des matchs, que des matchs. Tu fais un match, tu fais un match, allez, 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 vous allez voir. Je vais vous laisser comment dire, ah j'ai les poils, il est passé, il perd ses poils. Bref, je vous demande aussi parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes dans ma vidéo qui aiment les chats. Je vous poserai des questions. De toute façon, je vous dis, je vous ai encore pas fait la vidéo que je vous ai promis parce que je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je vous dis que je vous ferai une vidéo spéciale, mais je vais vous la faire, vous inquiétez pas. Mais tous ceux qui me connaissent, c'est que il y a des semaines que j'ai pas trop le temps à faire des choses. Je suis plus quelque part que chez moi. Donc, voilà. Donc, je vous fais écouter. Mais avant que je te mets le petit audio, tu me laisses ton abonnement, hein? Parce que là, pendant que je fais les vidéos, je suis toujours pas à 200. Je suis qu'à 193. Donc, allez, je te mets avec. J'ai deux TikTokers lambda, mais qui ont pas mal d'abonnés. Et que je vais vous mettre leur réaction. Il y en a deux. Parce que j'ai voulu. Ces deux-là m'ont. J'ai dit, allez hop, c'est. Vous allez voir vraiment ce que. Pourquoi moi je fais un coup de gueule sur ça. Je vous laisse avec lui. Une minute à peu près. Bon, coup de gueule là pour tous les gros TikTokers qui ont plus de 100 000, 200 000, 300 000, 1 million d'abonnés, 12 millions d'abonnés et qui font des lives pour grimper dans le classement. Vous avez pas de figure. Je sais pas comment vous faites pour vous regarder dans la glace, mais vous êtes des dégueux, franchement. Donc hier, j'ai regardé un peu les lives, comment ça se passait. Et j'ai d'ailleurs une personne qui a plus de 12 millions d'abonnés qui m'a beaucoup déçu. Donc j'ai regardé. 12 millions d'abonnés. Hein? Parce qu'il y a, y a, y a, y a pareil, il y a un chanteur qui s'est fait connaître sur TikTok, Yams, il le fait. Il le fait. Il y a même un acteur de Demain nous appartient. Alors il s'appelle Adair, mais dans la série, il fait. En ce moment, je ne sais pas s'il y en a qui regardent la série en ce moment, mais ils vont voir de qui que je parle, parce que je ne me rappelle plus de son prénom dans la série. Je connais son nom qu'il a sur TikTok, son vrai nom, Adair. En ce moment, il a des problèmes. Il est au lycée. Il sort avec une des filles qui est l'adjointe au proviseur, qui est l'adjointe à Delcourt. Delcourt, ouais, Delcourt. Donc, et bon, c'est lui, le petit jeune qui a un père alcoolique et tout ça, et qui est en prison parce qu'il s'est fait choper, parce qu'il a volé un ordi. Bah, c'est lui. Lui aussi, arrête pas de faire les jeux. Bon, lui, par contre, quand il voit qu'il y en a beaucoup qui gagnent, qui le font gagner, il fait un jeu, pareil, un jeu.
500 euros, il offre 500 euros à une personne qui viendra, qui gagnera le jeu. Encore que les gros TikTokers, l'argent qu'ils ont récupéré grâce à ça, qu'ils le redonnent à leurs abonnés en autre chose. Le mec, il est chanteur, ils auront fait gagner pas mal de fric. Parce qu'en plus, il met sa fille en plus sur le réseau. Il se fait pas bannir parce que, soi-disant, faut être un majeur avec une mineure, mais il faut qu'il y ait un majeur avec sur l'écran. Et ça passe. Et lui, il fait des demandes. Et c'est pareil, lui, il pourrait offrir à son CD. Là, il y a, je crois que c'est son CD ou son single, je sais pas quoi, qui est sorti là en téléchargement ou en CD, je sais pas quoi. Ouais, je suis plus bref. Bah, il pourrait à tous ces donateurs, comme il les appelle si bien, tous leurs donateurs. Il leur redonne un CD parce que automatiquement c'est ses fans qui sont là-dessus. Il leur offre un CD à tous ses donateurs parce qu'il ne doit pas en avoir des millions et des millions de donateurs. Hein. Parce que souvent c'est toujours les mêmes qui donnent. Hein. Je vous laisse avec le TikToker. Regardez un peu qui c'est qu'on ferait des cadeaux à ces personnes. La majorité c'est des enfants. C'est des ados ou des enfants de 12, 13 ans qui passent leur argent de poche dans des jetons de TikTok pour offrir des cadeaux à leur TikToker préféré. Donc, franchement, profitez de ces enfants qui sont là parce que soit ils vous adorent, ou soit ils vous admirent, ou ils ont envie de devenir comme vous. Profitez de ces gens-là qui vous suivent et qui vous portent depuis le début. C'est complètement honteux. La personne qui m'a déçu énormément tout à l'heure se justifiait, elle a 12 millions d'abonnés, voire plus. Elle se justifiait en disant, mais c'est pas ma faute, c'est TikTok qui veut ça, pour grimper dans le classement, il faut qu'on nous offre des cadeaux. Donc ça te dérange pas que des enfants passent leur argent de poche pour t'offrir des cadeaux. À toi l'adulte qui a des millions d'abonnés et qui peut gagner des sous avec tes vidéos TikTok et 10 000 autres moyens. Donc si tu n'es pas d'accord avec le principe de TikTok, de donner des cadeaux pour grimper dans le classement, tu arrêtes. Tu te plains pas, ah ouais je le fais mais bon j'aime pas ça mais c'est la faute à TikTok. Non, moi quand je me suis drogué, j'ai pas accusé le dealer d'héroïne. Ah ils vendent de l'héroïne, c'est pas ma faute, j'en ai pris. Non, c'est moi qui ai fait le choix d'y aller. Eh bien, pour les classements, c'est pareil. Donc moi, toutes ces personnes-là, là, tous les gros TikTokers, mais les foies, il y en a des milliards, hein, mais ils sont vraiment beaucoup. L'argent vous a complètement pourri le cerveau. Vous avez plus d'honneur, plus de figure. Vous êtes c'est vrai. Ah, c'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord avec lui. Alors lui, bon, je ne veux pas le citer. Je cite quand c'est vraiment des TikTokers. Qui ressortent de l'actu, des trucs d'actu, pas des TikTokers personnels, quand c'est leur propre chaîne. C'est pas parce que je veux pas faire de pub, c'est que, voilà, j'ai pas. C'est pas comme si c'était un TikToker. C'est un gros TikToker aussi, mais bon, voilà, j'ai pas envie de le citer. Alors, je vais vous faire écouter. Une autre, là, c'est une TikTokeuse, là. Et c'est pareil. Elle est pas d'accord avec ça. Et je vous dis, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec... qui sont pas du tout d'accord avec ça. Hein, je vous dis tout de suite. Hein, tous ceux... surtout que elle, ce qu'elle va... Ce qu'elle va dire, c'est vraiment ce que tout le monde... des personnes qui ont quelque chose dans la tête vont penser comme cette personne-là et comme moi que c'est honteux, c'est la mendicité, c'est honteux de demander des cadeaux lorsque tu as des millions d'abonnés et lorsque tu gagnes déjà ta vie avec TikTok. Je trouve ça honteux. Alors je vais vous laisser avec non. T'étais couché, tu restes couché là. Tu me laisses terminer la vidéo, mon cœur. Non, tu restes là. Autrement, tu t'en vas. Hein. Tu t'en vas alors. Sans tout. Non, excusez-moi. Hein. Franchement, excusez-moi. Donc, je vais vous laisser avec mes mots. Un petit like hein, si le sujet t'intéresse en même temps. Hein. Un petit like, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, je vais vous laisser avec l'autre TikTokeuse qui se plaint aussi de ce qui se passe.
Excusez-moi, attendez. Hop, j'ai pas mis le son. Et puis je vous dis, c'est pas facile d'être après les chats, de faire attention là, de faire attention qu'ils touchent pas la caméra. Je dis vivement que je peux m'acheter la grande planche que je veux là. Il y aura plus de place pour qu'eux et ça sera plus solide pour et en moins danger dès qu'ils bougent. Je vois la caméra, pas la caméra, mais le portable. Il fait ring, 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 ring. Donc elle est pas trop. Allez, je vais vous laisser avec la TikTokeuse. Et après, on en parlera. Qu'il est pas long son message, sa story. Alors, il faut que je vous dise, tout à l'heure, j'ai été sur les lives TikTok, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été, et franchement, j'ai été dégoûtée. J'ai regardé, il y a des TikTokers qui ont 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, et ils sont... Vous avez vu, hein, elle, c'est 500 000 et 1 million. Hein. Et l'autre, tout à l'heure, hein, c'était 12 millions qu'elle avait, la personne. Et je pense que c'est la même personne que je parlais tout à l'heure avec les 7-8 millions d'abonnés. Je crois que c'est elle, parce que je crois que l'histoire qu'elle a eue, elle s'est fait bannir son compte et tout ça, et tous ses abonnés sont mis pour qu'elle la récupère, et du coup, elle a récupéré beaucoup d'abonnés, et elle aussi a dit qu'elle n'a pas d'argent, et vous allez écouter, parce qu'elle aussi, c'est une TikTokeuse qui fait des TikTok avec des TikTok humoristiques avec son chien. Elle fait montrer que son chien, il obéit pas, qu'il bouffe tout, qu'il récupère tout, mais en fin de compte, c'est juste des humoristes, et quand elle dit, parce qu'il y en a, vous savez, TikTok, c'est insulte sur insulte sur insulte. Hein. C'est un réseau, mais un réseau social, mais méchant, 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 méchant. Hein. Ah ouais, c'est méchanceté gratuite. Hein. Et elle fait pas mal. Elle a su, lorsque son chien est super, super intelligent. À un moment, elle lui a dit de manger, mais elle lui a pas dit le mot qui lui fait... interdire, il n'a pas dit, ben il a mangé. Elle l'a refait une deuxième fois en interdisant, en disant le mot non, non. Ben elle est partie, elle est revenue, le truc était toujours là. C'est juste à éduquer les animaux, hein. C'est juste à ça. Hein. Allez, je vous laisse avec son coup de gueule. Ils sont en train de demander des dons pour envoyer des hélicoptères. Ouh, un hélicoptère, une soucoupe volante, une licorne. Et en fait, je regardais c'est qui donnait. Et c'est des enfants qui ont 10-12 ans, quoi. Ils sont en train d'arnaquer leurs abonnés. C'est complètement de l'arnaque, je trouve. On est déjà payé sur TikTok. On est déjà bien payé sur TikTok. Et je trouve que c'est complètement honteux. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais en tout cas, les enfants, si vous me regardez, si vous adorez Raymond, que vous me suivez, s'il vous plaît, arrêtez de payer. Ça sert à rien d'engraisser des TikTokers comme ça. C'est une honte. Si vous voulez faire plaisir à vos TikTokers et les TikTokers qui sont vraiment sérieux, vous faites un petit commentaire avec un petit cœur. Et franchement, ça nous fait grave plaisir. Voilà. Comme elle dit, elle gagne des sous sur TikTok. Alors, moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que tout le monde, que ce soit sur tous les réseaux, tout le monde se plaint. Tout le monde se dit que les réseaux sociaux payent mal. Prennent 60%, prennent une partie. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais tout le monde m'a dit ça. C'est pour ça que moi, je me suis mise en pensant rien vraiment gagner, mais pas gagner des sommes comme il y en a certains. Donc, et maintenant, je m'aperçois que ils gagnent quand même de l'argent. Alors, qu'est-ce qui est vrai? Qui dit vrai? Moi, je crois plus cette personne-là. Parce que cette personne-là, elle n'a pas l'air de mentir en disant « Non, bah, je gagne pas d'argent à Nini. » Elle a dit qu'elle gagne de l'argent, qu'elle n'a pas besoin d'avoir des cadeaux en plus. Bon, bébé! T'es chiant, là, bébé. Allez, hop! Excusez-moi. Ah bah là, j'en ai marre, hein. Non, tu remontes pas. Tu remontes pas. Excusez-moi. Oh, encore il se poserait. Il était posé là, mais non, c'est toujours sur moi, sur moi, sur moi, sur moi. Et puis tant qu'il n'est pas posé, tant qu'il trouve pas sa place, il veut être là. Il veut être juste devant moi. Donc c'est pour ça, vu que j'ai plus grand, comme ça, il sera devant moi. Ils seront contents, ils seront installés devant moi. Moi, j'aurai plein de poils sur la goule. Et puis, on fera les vidéos comme ça. Et puis, voilà. Voilà pourquoi j'ai du mal à faire des lives. Parce que si j'ai un souci, ben là, je me suppose que si j'ai un souci en live, ben, je fais comment? Et comment? Bon, revenons à nos moutons. Donc, oui. Donc, voilà. C'est moi, je trouve ça honteux aussi. Vous avez vu, ils gagnent de l'argent. Ils gagnent assez bien sur TikTok. Avec leur contenu et tout ça, ils font plein de vues et tout ça. Et non, ils redemandent. Mais je vous dis, quand elle a 12 millions, 7 millions,
Même, il y en a un qui s'appelle, pareil, Chevalier. Ah, c'est pareil, lui, il est à peu près partout dans la télé-réalité, dans les trucs. Benoît Chevalier. Bah, lui, c'est pareil. Il fait le jeu, le truc comme ça. Oh putain, les ergots, mince! Voilà pourquoi je veux pas. Voilà. Voilà pourquoi je veux pas. Oh, j'espère qu'ils vont pas regarder cette vidéo-là. Parce que monsieur, bah, il a fait ses ergots sur l'accoudoir. Oh, pour ça que je dis ça. Ah là là, ils sont toujours en train de faire les tours, ils peuvent pas se poser. Ah, ils sont chiants. Je veux dire, je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que j'aille chercher la planche. Il y avait un truc que j'avais besoin, bah, je crois que je vais laisser tomber. Mais le problème, c'est que je sais pas comment installer ça. Parce que là, la plus grande pièce, c'est ma chambre. Mon salon, il est grand, mais je peux pas mettre de bureau dans mon salon. Donc bref, revenons à nos moutons. Je sais pas où j'allais partir à me ra vous raconter ma vie là. Donc voilà. Donc c'est ça que je trouve ça honteux sur TikTok. Je sais pas si ceux qui me suivent, vous avez un compte TikTok ou si vous avez l'habitude d'aller sur TikTok. Mais je vous dis franchement, si vous avez des enfants, ne dites pas que TikTok c'est mieux qu'un autre que truc. Non, 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 non. Parce qu'en fin de compte, c'est bien, oui, pour faire des vidéos amusantes pour vos enfants, d'accord. Mais le pire, c'est que vous avez vu, c'est que des cr-cr-cr-cr. Que des gratte, gratte, gratte-ciel. En plus, ils te demandent de regarder leurs vidéos. En plus, ils te demandent de s'abonner. En plus, ils te demandent de liker. Et en plus, ils te demandent des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Non, Billy, laisse-le. Attendez. Excusez-moi. Eh ben ouais, Billy qui a été foutre sur la goule à l'autre, et puis bah ben là, il est en train de bien le mordre au niveau. Bon, c'est un jeu, mais bon, j'aime pas ça, aller voir se battre, j'aime pas ça. Surtout quand il y en a un qui dit rien, et puis que l'autre qui est. Et puis, je dis, il y en a. Je vous raconterai des trucs plus tard sur ma vie, je vous expliquerai, je vous parlerai de mes animaux, comment je les ai récupérés. Il y en a beaucoup qui n'ont pas eu de parents, donc ils n'ont pas été. Ils n'ont pas su. Comment fallait s'arrêter, à quel moment faut à mordre doucement, à quel moment faut s'arrêter pour mordre, à quel moment qu'on fait mal et tout ça. Donc on verra de toute façon, hein, on a beaucoup de temps à passer ensemble. Je suis pas prête de partir. Si vous voulez toujours que je reste, hein, eh ben regardez mes vidéos. Donc si vous regardez mes vidéos, vous êtes actifs sur ma chaîne, eh ben je serai toujours parmi vous, toujours à essayer de vous enjaillir, à essayer de vous distraire, de vous divertir, vous faire rigoler. Non, je suis pas trop dans l'enjaillement, hein. Je suis pas trop la foufolle. Bah, vous direz que les sujets que je traite en ce moment ne sont pas non plus des sujets où je peux faire des blagues, des blagues binettes, hein. Franchement, non. Le plus les blagues qu'on peut faire, c'est quand c'est sur la télé-réalité et encore, hein. J'aime pas me foutre la gueule des gens ou quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé dans le début des vidéos, essayer de me foutre la gueule des gens, mais le naturel est revenu au galop. Je suis pas comme ça, donc du coup, bah, je préfère faire voir comme je suis vraiment. Hein, si je suis pas enjaillante et tout ça, je suis pas enjaillante, mais je suis là pour vous parler de l'actu d'un endroit, pour vous parler de problèmes d'un coin, pour vous parler des sujets d'un autre coin, pour vous parler de ce qui s'est passé par là, pour vous parler de ce qui s'est passé chez elle, pour vous parler de Doudada. Donc, Anini Anana, ça c'est Momo, Anini Anana. Donc, voilà, donc je vous parle un peu de trucs. Donc, là, revenons à nos moutons une troisième fois. Donc là, c'est vrai que je m'enjaille un peu plus avec vous. Donc là, voilà, c'est ça. TikTok, ça devient honteux sur ça. Entre la mendicité, le grattage des gros TikTokers. Et puis, mince, c'est TikTok. En plus, TikTok, il s'en fout plein les poches. Et en plus, il bannit, comme je vous ai dit, il bannit pour un oui ou pour un non, les gens. Il y en a, ils font rien de mal. Je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos. Les gens font rien de mal, font au contraire, montrer des trucs. Et t'en as qui font des choses, mais vraiment des choses honteuses. Honteuses. Et ils sont toujours là. Et tous les jours, on les voit. Entre lui et sa femme, tous les jours, en train de faire des lives, en train de demander des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Hein. Ah bah dis donc, je sais, franchement, je vous dis, je sais pas comment.
comment TikTok peut continuer ça, surtout avoir, mais il va avoir un souci un de ces quatre. Il y a bien des parents quand même qui vont se retourner quand même contre TikTok quand même. Ils vont quand même voir, comme vous avez vu le premier que je vous ai mis, l'argent de poste des petits. Vous avez vu là la deuxième personne que je vous ai mis. C'est pareil. C'est 10 ans à peu près. C'est vrai que quand tu regardes, et puis il y en a là, des fois, ils mettent des photos d'adultes là, des fois. Donc, parce que comme t'as pas le droit de prendre de mineurs, bah ils mettent des photos d'adultes, comme ça, bah ils se disent, bah ils vont me prendre. Donc voilà, c'est tout un... Et c'est pour ça que l'algorithme de TikTok est vraiment très, très, très mauvais. Mais il va falloir qu'ils retravaillent. Et il va falloir aussi qu'ils changent leur façon de cagnotte, de pas de cagnotte, mais de cadeaux, de monter dans le classement pour avoir plus de visibilité, pour avoir plus de ci, pour avoir plus de ça. C'est bon. Donc, c'est pour ça. Il va falloir que ça change. Il va falloir quelque chose qui change parce que c'est... C'est pas possible de voir autant de TikTokers qui ont autant de millions d'abonnés. Moi, j'en ai pas beaucoup. Je vous dis, j'ai laissé tomber TikTok pour vous. J'ai vu, on va dire franchement, que j'ai récupéré d'abonnés pour ma chaîne. On va dire en un mois, j'ai dû récupérer vraiment 100, on va dire, 100 abonnés vraiment. Et... Après, avec la règle des TikTok, t'as allé sur des lives, en fin de compte, c'est tu t'en un abonnement, je t'offre un abonnement, tu reprends mon abonnement, je te rends l'abonnement, je te prends un abonnement, tu rends l'abonnement, tiens, je prends un abonnement, je te rends l'abonnement. En fin de compte, c'est pas des personnes qui te suivent, c'est juste des personnes qui ont besoin d'avoir de nombre d'abonnés pour soit faire des lives ou soit pour pouvoir enclencher la monétisation. Voilà. Voilà ce que c'est. Et mais autrement, t'as du monde quand même qui regarde tes vidéos, mais c'est pas les personnes qui se sont abonnées à toi. Donc si tu likes pas qu'une de leurs photos, une de leurs photos, une de leurs contenus, bah ils likent pas tes contenus. Donc voilà, si tu likes, eh ben tu la vois l'autre te like après. Donc c'est pour ça que moi ça m'a, j'ai arrêté. Je vais peut-être remettre, je devais mettre une vidéo pour leur souhaiter la bonne année. Et puis du coup je l'ai pas fait. Parce que quand je vois ce qui se passe. Entre les autres qui... Les amoureux des enfants. Entre les gros TikTokers qui s'en font plein, qui s'en mettent plein les poches. Et en plus, qu'ils osent faire des matchs comme ça pour demander des cadeaux. Et les gamins qui sont obligés d'acheter des pièces pour leur offrir des hélicoptères, pour leur offrir des grands villages, des lunettes, des casquettes. Ils envoient mais des trucs, des bisous. Mais vraiment, il y a des trucs qui coûtent extrêmement cher. Là, il y a le TikTok Univers. Le TikTok Univers, je crois qu'il vaut, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, hein, entre, je vais vous dire, une fourchette, parce que je ne sais pas exactement, mais ça serait entre 150 euros et 350 euros, à peu près. De toute façon... Je pense, parce que quand quelqu'un a un TikTok univers, ça passe sur le truc, tiens, tel a eu un TikTok univers, et direct, il a gagné le match. Alors, donc, pour qu'il n'y en a pas beaucoup de TikTok univers, c'est... après, est-ce que c'est... Voilà, c'est toujours les... Et moi, ce qui m'embête, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps d'enregistrer la grosse TikTokeuse qui a des millions d'abonnés, entendre dire, alors, bah toi... Alors, tes donateurs, ils ont été généreux avec toi aujourd'hui? Ah bah ouais, je suis passée dans le classement, je suis passée de 26, je suis à 17. Ah ouais. Oh bah les miens, mes donateurs, bah ils dormaient. Moi aujourd'hui, franchement, je sais pas ce qu'ils font, mais il va falloir qu'ils se réveillent. Hein, parce que moi, je veux pas passer des heures et des heures si c'est pour perdre à chaque fois des matchs, ça sert à rien. Non mais attends. Et tu peux pas penser que les... Que tes abonnés, c'est des personnes qui sont là parce qu'ils ont envie d'être distraites parce que tu fais des contenus marrants et tout ça, t'es marrante. Et c'est pas des grosses fortunes. C'est des gens qui ont des problèmes et du coup, ça leur fait du bien de venir voir des contenus. Mais si c'est pour venir voir tes lives et te voir, de leur demander du fric et quand on te donne pas de cadeaux, tu t'énerves envers eux.
que tu vas plus faire de live, tu vas arrêter les vidéos, tu vas arrêter ci, tu vas arrêter TikTok parce que il bouge pas trop. Non, mais on va où? On va où? Ah oui, ils font du chantage comme ça. Ils font du chantage comme ça. Ouais, ouais. Je vous dis, jusqu'à leur demander quand est-ce qu'ils ont leur paye, quand est-ce que... Bah, t'as le RSA là qui est arrivé, tu peux m'offrir un cadeau. Non. Ah bah, t'as ta paye. Ah non, t'as pas ta paye. Bah, mets des sous de côté, comme ça, quand je ferai le prochain... On fera le prochain, je sais pas comment ils appellent ça, le concours, ou je sais pas quoi, challenge, je sais pas, c'est trop quoi. Et oui, ils demandent tout ça. Si j'arrive à trouver les bons moments à chaque fois... Mais il y en a beaucoup de TikTokers qui arrivent à screener comme ça. Si j'arrive à tomber sur sur ces personnes-là qui disent « Alors, ton donateur ?» Ou « Bah, va, t'as ta paye, t'as pas ta paye, t'as pas ton RSA, tu m'avais pas dit qu'il te restait des sous sur ton compte, tu m'avais pas dit que t'avais un compte à... Hein? » Non, attendez, surtout que le pire, c'est que c'est des... Comme vous avez vu les deux personnes ont été voir, ont vu que c'était que des enfants, que des gamins... qui pointe ça. Quand je vous ai dit, j'ai fait une vidéo tout au début de faire attention à vos cartes bleues. Parce que les enfants pouvaient s'amuser à prendre votre carte bleue et puis quand vous arrivez, vous voyez que... Vous voyez qu'en fin de compte, c'est le petit fiston ou la petite fillette qui a... Et puis quand tu regardes, TikTok, 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 wouh, TikTok, 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 TikTok. Oh, chérie, eh, tu sais combien qu'il a donné notre fils au TikToker ce mois-ci? 3 500 €. On n'a même pas ça sur le compte. Comment on va faire ce mois-ci? Non, mais vous imaginez? Mes chats sont en train de me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est moitié débile, mes voisins aussi. Ils vont dire, mais elle est moitié folle, elle. Non, mais vous imaginez? Moi, bah, franchement, je sais pas comment. Je sais pas comment. Comment ils. Comme ils disaient, ils ont pas de face, ces gens-là. Je sais pas s'ils se regardent vraiment dans la glace, franchement. Parce que, franchement, c'est. Moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment honteux, honteux, honteux. Bon, bah. Hein, on verra bien. Hein. Bon bébé, va là-bas. On verra bien si TikTok va essayer de faire quelque chose. Parce que moi, je vous dis, hein, tout le monde dit sur TikTok qu'ils ne gagnent pas un rond. Que TikTok leur prend tout. Alors, s'il y en a dans mes abonnés ou des personnes qui vous regardent la vidéo mais qui ne sont pas abonnés, qui sont juste de passage comme ça, si vous connaissez le réseau social TikTok, dites-moi, est-ce que des personnes, les gros TikTokers, on va dire à partir de combien d'abonnés à TikTok tu gagnes un bon, on va dire, moi je parle un bon salaire, on va dire il y a moins 2 000 €, ouais, 2 000 €, on va dire, ouais, 2 000 € qui rentrent à peu près. Néanmoins, et sur 2 000 €, il paraît que TikTok prendrait 60%. Et il ne redonnerait que 30%. Moi, je comprends qu'ils prennent une somme d'argent. Mais, alors, c'est pour ça que quand j'entendais ça, j'ai dit oui, mais d'accord, vous avez peut-être rien. Mais du coup, les personnes, eux, c'est pas 60% qui est retiré sur leur compte. Hein. C'est 100% du montant. Ah, ça me, je vous dis, hein, j'en ai pas, mais ça me les casse quand même. Hein. Ah, ouais. Même les petites qui essayent d'apparaître, ah, bah, ils sont déjà pétés. Hein. Ah, bah oui, ils sont pétés. Ah non, mais franchement. Ouais, dites-moi vous en commentaire. Oh là, excusez-moi. Dites-moi vous en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ces gros TikTokers, hein, comme les gros YouTubeurs, qui disent qu'ils n'ont pas que TikTok leur prend tout et que TikTok ne paye pas aussi bien que ça. Dites-moi tous ceux si vous savez quelque chose et tous ceux si vous êtes d'accord avec ce que les gros TikTokers font de réclamer, surtout en sachant, je sais pas, mais si tu vois que c'est un mineur derrière, tu lui dis, oh petit bonhomme, hop, s'il te plaît, t'es mineur, arrête de m'envoyer des cadeaux, hein, tapote, ça c'est gratuit, tapote sur l'écran, tapote, ça c'est gratuit. Je sais pas. C'est la moindre des choses. Tu es TikToker à plus de je sais pas combien de millions d'abonnés.
c'est adulte. Hein, la plupart, c'est des adultes. Parce que si c'est Yans et puis la petite toqueuse, je sais plus combien, 300 et des bananes. Parce que voilà, hein, c'est ces deux-là qui réclament. Il y en a une autre aussi, Queen Souris, ou je sais pas quoi. Aussi, ça fait que de réclamer. Il y a aussi une autre qui s'appelle Sarah. Ah oui, ceux-là, je les balance. Ah oui. Sarah. Ah merde. Ah, je l'avais et puis j'aurais dû le noter. Oh, bah, c'est une meuf, mais franchement, Sarah, je sais plus. Bon, bref. Et ceux-là, c'est ceux-là qu'on dit. Bon, Queen Souris, je sais pas, elle est pas dans leur top des 1 million. Mais comment dire, Yans, lui, il a plus, je sais pas combien de millions. Et la TikTokeuse 349 ou je sais pas, ou ouais 370, je sais plus. Elle aussi, elle a plus, je sais pas combien de millions. Et je crois qu'elle, je sais pas, c'est pas elle qui a 12 millions. Moi, la dernière fois que j'ai vu, elle était rendue à 7-8 millions. Donc elle n'a pas là. C'est vrai que ses contenus, elle est marrante. Bon, à force, c'est toujours répétitif, donc c'est chiant à force. Mais dans le début, quand je regardais ça, je trouvais ça marrant. Mais après, ça m'a saoulé. C'est toujours la même chose, donc ça m'a saoulé. Bref. Donc voilà. Donc vous me dites tout ça, ce que vous en pensez en commentaire. Et bien sûr, tu me laisses avant de partir le petit abonnement. Hein. Oh. Et puis le petit like aussi, parce que quand même, c'est des petits sujets que je vous fais. Que ceux qui vont pas sur TikTok, je vous informe de ce qui se passe, les dessous de TikTok, ce qui se passe, ce que les gratteurs et tout ça, je vous dis tout. Oui. Ah là là, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que autrement, on va dire que je fais du plagiat. Donc voilà. Donc, vous mettez un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire. Toujours respectueux, le petit commentaire, hein. Et puis, bien sûr, le petit emoji habituel en fin de vidéo. Puis, si t'es nouveau, toi, eh ben, mets-moi un petit emoji homme ou femme à la fin. Comme ça, pour savoir sur les nouveaux qui viennent d'arriver, si c'est des hommes ou des femmes. Voilà. Et puis, la petite cloche de notification. T'oublies pas de l'activer, comme ça dès que je mets une nouvelle vidéo, et ben bim bam boum, tu reçois une petite notif de YouTube qui te dit que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne, voilà. Et tu t'installes, t'enlèves tes soucis, pof, tu les laisses à ta porte ou dans ta chiotte, tu tires la chasse d'eau, tu les laisses dedans et tu reviens tout de suite t'installer où que tu veux, mais t'appuies sur play et tu regardes le petit sujet que j'ai préparé pour vous tous, voilà. Et ben moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis encore merci à tous ceux qui viennent de s'abonner, à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, à tous ceux qui like, tous les commentaires super gentils, merci, et merci aussi pour eux, hein, à tous les gentils commentaires que j'ai de mes chats qui sont mignons, merci aussi à tous ceux, et merci pour eux, voilà, et ben moi je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, allez, bisous.